bismillah rahman rahim une fois encore alhamdulillah rabbil alamin ñi ngi sante yalla bu baax ñun wa fgv di sante yalla li ñi téwé fi tay ji et suko défé comme ni mako xam sank xana damay delsi wat rek ndax mom comme li ñu wax li c'est un honneur pour nous té vraiment contane nañ ci trop ndax comme ni manen ko waxé jamono ji dafa xat ken amul jot kon na bo woté surtout lu tel ni dimanche ni ay nit wuy ci la kon nga wara xamne lool rek doyna sante yalla suko defé ñu ngi leen di dalale jam di leen wax bismillah ci fgv barni mais fgv barni dans son ensemble mu ngi fi bu ne dans son ensemble les principaux responsables de fgv ñi ngi fi parce que fgv mbour fgv 2 bu mbour mu ngi fi fgv 5 mbour mu ngi fi fgv 3 bu barni mu ngi fi ñetti fgv wi ño composé fgv suko defé ñan ño fi nek les leaders et les top leaders de FGV les leaders et les top leaders de FGV ño fi nek ak les assistants ak gérants secondaires de FGV ak les deux gérants principaux de FGV ño fi nek tay ji suko defé ci touru ño ñep la nen wax dalé la na jam et ñu ngi leen di sante ñu leen di gëreum waxtaan bi nak luko waral moy toujours c'est dans le cadre du travail parce que li neex na dimanche nga xeyta de grâce matinée ba 10h 11h mais nak bo gisé ñu xey ñun 9h 30 10h fi lañu fekk donc lool yépp xam nañ né sank ci biir waxtaan bi biñu leen défal introduction wax nañ né sacrifice la laaj sacrifice de temps sacrifice d'argent sacrifice de sang sacrifice de sueur donc on a compris cela té aussi dafa am lo xamné dañ ko nomm ci atum 2016 FGV yag nañ def ay cérémonie yag nañ joxe opportunité parce que man ci la bok opportunité joxe nako motam ma exi fi tay kon nak ñi nek suñu gannaaw ñom itam ni bëgg na la jox opportunité bëgg leen jox opportunité bobu nak dans le cadre général bobu loolu lañu liggéey année 2016 bi ba inshallah buñ ci yalla andé ñu ngi ñaan yalla buñ ko fekke jam janvier 2017 dinañ organiser suñu anniversaire sorina soriwul mais l'essentiel loolu yëpp bokk na ci waxtaan bi loolu yëpp bokk na ci suñu bëbëd suñu objectif ci année 2016 bi amna aussi ben bonus buñu organiser par rapport ak FGV dans le cadre de FGV bo xamné day dem ba le 31 mai pour bonus opportunité lañ koy tuddu opportunité par rapport aux assistants opportunité par rapport aux gérants secondaires opportunité bo xamné kenn ku ne war nga ko mëna am kon na bo gisé li yépp ñukoy def li yépp ñukoy organiser c'est dans ce cadre là su ko défé ngeen bay xel ci lool et ci lool wéso nak ñun lañ toujours ñu lañ di présenter aussi suñu invité et ça compris invité comme ni mo waxé leader et top leader et assistant gérant ñi ngi fi représenter FGV mais aussi on a un autre ami un parent un ami mënañ ko wax un parent un ami Hassane Faye et je suis compris ko xamné compagnon gérant principal Aliou Dabo la depuis biñ neké jeune et je suis compris depuis ci ganaw ci Pikine depuis Pikine lañu and ba tay ji ñi wax donc lepp luñu organiser rek toujours il est présent ñu koy gërëm diko sante vraiment ci téwayam bi suko défé on a aussi une autre parente bo xamné grande sœur wala petite sœur grande sœur wala afila et j'ai compris mom tamit téwna ci ki bi ñung koy sante ñung koy gërëm di rafetlu téwayam bi et ñung ñi ngi rafetlu aussi di sante aussi téway notre coach le coach de SMD bu ne le coach de SMD SMD xam ngeen ko quand même c'est sen marketing distribution donc coach bi mo nekk ni mais bu ne coach SMD kon coach aussi FGV la et ça compris parce que FGV munta dem sans SMD c'est vrai que ne FGV beaucoup ne ñi créer SMD suko défé mom moy coach SMD kon en même temps coach FGV ni ñu coaché ni muy coaché SMD non le coaché FGV donc lolo tax téwa ambité ñu ko ci rafetul nak ni ko ci sante diko gëreum et ça compris ñi ci dess nak moy c'est notre coordinateur national de sen marketing division Serigne Diaye mom mo wara def atelier bi et ça compris il est en retard parce que mom tam dafa amone ay empêchement mais ñu koy mu ngi ci yoon bi mu ngi ñew mais comme qu'on a un problème de temps donc lolo tax ñu démarrer comme ça ñu mëna continuer commencer liguey bi bu ñëwé rek mu fekk ñu ci comme ça ñu kentine ji mëna gagner du temps parce que comme nima ko waxé vraiment ñu ngi leen di sante ñu leen di gëreum ñu leen di dal ak jamm ci biir FGV et dans le cadre de notre travail inshallah merci beaucoup tay ji FGV amna tay mbecté bo xamné pour mu mën leena jël mu dalal leen tay la rencontre d'aujourd'hui c'est tout juste pour ñu mëna retrouver échanger des idées
mais aussi se fixer des objectifs. Et d'autant plus que vous savez que FGV a été longtemps un bureau phare, non seulement au sein de SMD, mais aussi au sein du territoire national. Et nous avons l'honneur et le plus grand plaisir d'accueillir aujourd'hui nos partenaires. Si je dis bien les partenaires, il y a donc Cinéucom Divi. Bon, nous savons que tout ce que nous avons organisé, ils sont là avec nous. Nous avons Dalal aussi, Papa Amadou Cissé. Nous savons que tous les entrepreneurs, nous savons qu'ils ne veulent pas venir, ils vont venir pour les aider. Il n'y a pas seulement SMD. Le Sénégal, tout le monde est là. L'équipe qui a pris le coach. Il a fait le travail avec nous. Et nous voilà def tayji ben rencontre bo xamné def fi wala ñew mu participer parce que ce partenaire la ak ben vision bo xamné dañ ko am et cette rencontre bi mu am ci point yu bari yo xamné war nañ ko jël ñu surigné ko mais avant de parler à cela aussi ñu mëna joxé tout organigramme bu FGV à l'heure où nous sommes et FGV amna ñaari gérants principaux. Et du nom de Aliou Dabo, le manager, et aussi Mor Kepa Kamara, gérant principal de FGV 5 Mbour. Il y a trois gérants secondaires. Il y a Momodou Iredian, Ibn Sall et aussi Hassan Sen. Il y a trois assistants gérants. Il y a Omar Sek, Djenebo Diouf et Afi Valeska Tozo. Il y a 11 leaders et 21 distributeurs. Le total, ça fait 40 RMA pour le moment à l'heure de démarrage. Nous avons ce qu'on appelle Mébel. Je suis allé à une rencontre solennelle. Mébel, c'est que le FGV a ce qu'on appelle Wadjal. Wadjal, c'est que il a fait un anniversaire qui a fait un anniversaire, mais il a fait un anniversaire qui a fait dafa nek anniversaire bo xamné dafa wal am lu muy andal ñu japp ko défé ko à Mbour Mbour nañ ko wala défé au mois de janvier et même la date japp nañ ko le 14 janvier 2017 inshallah bi ci katone yalla donc su ko anniversaire bobu nonu amna ci tay lo xamné ñong si nek motax bala anniversaire bi du jot. Nous avons am luñu wala boosté wat mo nek ci liguey bi boosté wat aussi bureau yi parce que actuellement on cherche un autre bureau actuellement à Mbour mu am ben tapage bo xamna ñong ci nek di côté média bi mais aussi su côté aussi autorité yi mo taxit lekkolo nañ ak ñett dak radio pour le moment il y a Mbour FM Djoko FM, Bambilor FM, avec un coût élevé quand même, mais vu l'importance de notre anniversaire, moi je me suis dit qu'on va mettre le paquet, plus aussi Cinéucom TV, donc il y a quatre supports donc, médiatiques. Et Djoko FM, demdenfa, on a signé un contrat avec eux de 3 mois avec la directrice Issa Dior Sally, qui est fille journaliste de Issa Dior Sall, qui est journaliste de Sud FM. Momo yore Mbour FM. Et dem nañ fa waxtane ak mom dina am émission yo xamné de sensibilisation yo xamné dinañ ko fa def ji pour une durée de 3 mois d'essai. Dina amat yenen yo xamné dinañ ñëwaat. Djoko FM aussi tay ji le gars devait être là. Mais demain, Inch'Allah, il y aura une émission qui va nous parler. Donc, Bambilor FM, contactez-vous Nalin, mais la semaine à venir, Inch'Allah, aussi, il y aura une émission Fofu, des journées de sensibilisation. Tapage pour nous, pour à ce que booster encore davantage le bureau. Vous savez, la position que vous avez eu au départ, FGV dina se wara retrouver wat tay ji amna ci tay mbecte mo wax len effectif bi tay démarrage bi au finish dinañu defat benen évaluation effectif bobu tamit di ngeen ko xamat inshallah bi ci carton yalla
et su ko lool nonu aussi mu am non seulement que média bi ñong leen geussu mais aussi geussu wat encore une fois de plus les autorités motax en premier lieu amna lettre yo xamné et de donc ce partenariat yo xamné ñong kay bëgg ñu tissé avec structure yo xamné administrative yu bari avec donc autorité yi buñ su joggé dinañ am man benen encore lettre yo xamné de parrainage lay don mais comme événement bi su jotagut et jotna sax nay wax parce que lo xass et ba japp rek date bi donc ci yexina comme organisation dafa laj ap coup te coup bi lu cher mom lay ci don kon bok war nañu dak téla jog yeglu aussi gisi ji ño xamné war nañ leena gis parce que événement FGV bi dama bëgg mu nek événement national bu mag lay don ñen ñi defon nañ anniversaire c'est bon ils nous ont inspirés mais à l'heure où nous sommes on veut faire plus et mieux et de ce fait que tay buñu amé partenariat ñu commencé ño xam à l'approche de l'événement mu am ay lettres de parrainage yo xamné dinañ ko indi et su ko lettre de parrainage dina am ay invité d'honneur mbour nak dem nañ fa ba defal fofu un bureau et kéro que c'était et le 2 de ce mois passé on a inséré un comité d'organisation pour l'événement le président c'est monsieur Aliou Dabo le manager général de FGV il y a le chargé de la communication et des relations il y a madame Afi Vareska Tozo il y a aussi Djenebe Diouf aussi a été reconduit au comité d'accueil de sécurité aussi en même temps et aussi les hôtesses il y a aussi la commission des finances dirigée par le gérant Mori Keba Kamara il y a aussi la commission de la restauration dirigée par le sœur Diouf Caro et Rokaya et sur ce comme on veut faire beaucoup de choses on a un budget bo xamné téwu guñ ko mais budget bo xamné dañ ko estimer lu reul la nak té tiaxané wuñ ko té foyé wuñ ko motax budget bi lu mu gatt 4 millions à 5 millions dina ko wala yegg ci carton yalla et su ko lol nonu on va ratisser large ñu ñu wala gis ñep dinañ leen dem séti ji leen dinañ dem à des PME waxtaan ak ñom ñu am ay ño xamne ño nga nek amul ñu mu leen dem cibrer on veut voir le leader bombardier dinañ ko dem gis ji ak mom waxtaan ak mom dans l'organisation de notre programme dinañ xol ay artistes yo xamne et ñu mag ñu nek mbour ñu mu leen gis par rapport ak suñu manifestation bobu Média yi pour le moment on est en partenariat avec Mbour FM avec la dame Issa Dior Sall et dinañ xol ci aussi hôtel yu fa nek en parlant des hôtels amna ci ben hôtel bo xamné pour le moment yaakar na né mën nañ fa défé signe manifestation mo nek ci coco biche bobu nonu hôtel bo xamné yatuna et luñu soxla ci bir mën nañ ko am parce que anniversaire bi da fay wouté liñ wax da fay ala dawmi par rapport à jour anniversaire parce que dina am symbiose lu bari bëgg nañ mu xew ci carton yalla non seulement que et dina am direct bo xamné peut-être dina ci ami ji ce jour bobu nonu avec Mbour FM mais aussi dinañ wo ay yali yenn journaliste vidéo projection bi duñ ko def waye day def ben biographie bo xamné une dame journaliste mo si def mais aussi et surtout aussi dina am et yenn yo xamné bëgn nañ ko fa def mo nek exposition photo yu ñak yek ak yu yag yi dina ko fa def mais aussi bëgn nañu def aussi su cocktail bo xamné invité yi day am salle bu maga mag bo xamné et ñu bel ñu mu leena jël bel na leen ci lek yek ci nan yi ak ci ki bo xamné su ko lol non su cocktail bobu non da fay amalé exposition yu fay amalé motax mané bi dina am wouté ak su yu beuri
motax ñu téla jog bi nonu japp ngeen ci japp nañ ci. Les gérants actuellement ils se sont en train d'investir rien que par le média, le coût doit s'élever à 1 200 000 d'ici l'événement parce que radio yu ñu dem gis ci ak ñom cocktail ak ñom ak lo xene bëggul su nañ ko ci def lo non su côté sensibilisation mom lay don pour le moment mais su côté support yu ñu wala jax tenue vestimentaire bu ñu wala def ak nuñ ko soxla ak le milieu buñ fay def ak le coût de la restauration parce qu'on veut faire plus et mieux on se dit bien qu'il faut avoir un capital et donc de ce fait que bu yoy yep amé ñu wala gis yep dinañ len dem gisi ji mo nek partenaire et sponsor yi ño xamne won nañ lay jël bolé len suñu bir motax fu nek ni dama né amatu ñu luñuy xaar su ko lolou nonu les leaders de Mbour jëlon nañ initiative sax na ñom la semaine ils vont faire 1000 francs pour rek rien que rek seen xër ak ñu xamne ñoko mom suñu bop parce que loy def il ne faut pas nga ñew yo nga tok rek du xol mais dang ci nek acteur comme bok tout le monde est acteur mais buñ ko waxé nous aussi on a été sensible et bureau bi aussi ñu tok responsable ñu né comme leader yi ñoy wax lool ni leen ko jema wañir il a sax et dinañ ko bañ waye nak lo ci gis rek dafa am lo xamné dañ ci jël ñu def ci nank nank ñu né légui leader yu nek bu la semaine ils vont faire ak leader yu nek fi yépp dans toute FGV la participation symbolique au lieu de et donc luñu waxone c'est 1000 francs on veut le faire symboliquement à 200 francs ñu koy def la semaine Diène Bo Diouf et après là-bas mu nek leaderu FGV yépp ñu def ci participation avant l'événement ñu né assistant gérant yi ñom aussi dinañ ci sobu ñu def la semaine 1000 francs cotisation ñu nanguko def ci ak ñom ñu na les gérants secondaires ñom aussi dinañ ci def un coût de 2000 francs la semaine comme gérant secondaire ñu na nak les gérants principaux ils vont mettre pour le moment 5000 francs chaque semaine pour ñu mëna am réussite bu ñu démé nak ba ciapa ndaw bi ah sen gérant bi principal nak du wax dina fip parce que man dongu nam na ci def ben coup bo xamné dina avoisiner 500000 francs pour la réussite de l'événement Morkeba il est là aussi mom moy yolé mbir yi tayji commencé na du jog di séti ji ay partenaire ak ño xamné mën nañ sé japp naluma ko won wax sax parce que man ko da wax le gérant mais amna ci ben nit bo xamné wolere la ak man buma ko soumettre les ambitions de FGV néna ma monsieur Dak Dabo je vais mettre au profit de FGV sans lacos pour ma participation déjà ak ñeneen ño xamné ñong leni commencé de contacter motax ñun togu ñu de xaar heure boy waj rek date bi yexina té dès la semaine à venir dinañ wara gis ci les autorités de Mbour en commençant par le maire et par aussi le président des jeunes de Mbour ak ñeneen ño xamné ñong Mbour dinañ leen gis la semaine suivante dinañ dem gisiji aussi wa ADMPME waxtaan ak ñom ak structure yo xamné auté bi et autorité ñom ñoo leen fi jël ñu tegg leen ci comme bok pour vous dire que ambition FGV bu mu am dafa yaatu su ko ambition yoy nonu on veut renforcer d'abord les bureaux tay waxna leen ni dinañ wajal tiji bureau benen bo xamné Jeynaba Diouf mi momo wala nek de responsable ñu wala def tapage bu maga mag pour ñu mëna booster wat bureau yépp ba xamné bureau bi fi su commencement rek la tambali nañ def le pourquoi parce que ratissé wat nañ le bureau effectif yépp dañ leena jël raxas leen ñu xor ño xamné am nañ ambition ñu wal sé mëna japp su ko lool nonu aussi bëgg nañ bureau bi ni mu jurat sous peu de temps un autre bureau quand même
rigueur mo ngi ci engagement mo ngi ci détermination mo ngi ci parce que tay ji afi wona dem retrouver wat son bilo ibnu wona encore retrouver son bilo iradian aussi wona nek aussi un gérant bo xamné et fiek la fin de cette année ñu mëna wax ñan ñoy nek des gérants autonomes encore yu ñu wara def tay luñu viser d'ici la d'ici l'événement d'ici le 31 décembre au moins FGV doit avoir un effectif qui avoisine ou bien dépasse les 100 effectifs, les 100 éléments. On a visionné 120 éléments. Motax lolo tax tay ji mu jaral ñu tay ñu wala investir parce que néna lepp luñu am ci bir business bi ci liguey bi nañ ko amé prêt nañ ñu investir lepp luñu am ci bir business bi tay. Donc yoy nonu mo taxone ñu né amna ben promotion bo xamné lancer nañ ko pour tous les leaders d'ici le 31 mai promotion bi mo nek ren leader yépp chacun peut être assistant lan dañ leen laaj recruter former et intégrer et celui qui fait 15 éléments pendant 2 semaines successives avec la production naturellement de 750 000 il passe automatiquement à l'assistant. Donc leader bu si nek da nga wara am ben objectif ak ben vision bo xana war nga ko am personnellement ce objectif bob mo nek lan promotion bi ba le 31 mai la lan mo la kay may recrutement yi recrutement yi il ne faut pas attendre et je le dis souvent un leader je le considère comme un leader politique. Il est apte à avoir des militants pour accéder au suffrage universel. Sans les militants, du monde dem. Un leader aussi, des fois là, am ben feuille de route. Lo xamné nam nako def. Mu jël ci le programme yegal ko yenen nit. Ñom ñi ñew adhérer wu. Ñu liggéey ak mom bam nek un leader ñu tek ko fa. Et mu nek base ñu dem séti ji wat ci kenen motax ñun suñu ror toujours rek mo nek il faut toujours recruter nga gëm lo nit ki lu nga gëm nit ki nak mën na ñew dugg ba paré mu démat c'est comme les militants d'un parti quelqu'un il vient il adhère après il sort mais il faut tout faire que avoir plus d'entrants que de sortants. Donc en ce moment-là, lan mo la kay may nga am ben objectif bo xamné journalier nga dang kay fixer. Tous les jours tu dois recruter. Et nous aussi ñoñu am lo xamné ñong ko wara def mo nek waxtaan yu ñu wara waxtaan à travers les médias. Yémuñu fofu dinañ am des bandes annonces yo xamné dang kay jallalé au quotidien mu nek de deux. Mais yémut fofu dañ leena yeen sen bop juk leen. Il faut recruter partout là où vous êtes recruter len fop fo xamné yéne fa nek rek recruter len c'est ce qu'on recrutement bo c'est objectif ñen kay fixé et je salue au passage la venue de Joko FM monsieur Doudou qui est ici présent et donc yalla na la c'est il a la caméra OK donc comme nous len ko don waxé ni sank ni et né won na len tapage nay def ci média yi mu am quelqu'un bo xamné nek na Joko FM animateur la bo xamné chevronné parce que il a été primé à deux reprises comme étant meilleur animateur à travers ses émissions il veut booster FGV il veut apporter un plus dans ce que nous sommes en train de faire il donc habite ici même Bani di liguey Joko FM il s'appelle Doudou Diène bienvenue tabe et tay ji sax wolona def liguey à 11h mais il s'est retardé pour à ce que même mu am ben rencontre bo xamné dina ko meuna def ak yeen mu am ben familiarité bo xamné dina ko meuna am ak yeen tok nañ ak mom wax nañ ak mom suñu ambition té sign ambition du reuy la parce que dañ ko jël ak sux ak tamit e su xol xol bi nak nekku ne dañ ko jël ni rek non war ko def dedet dañ ko tek ci ay yoon
tay si yone bobu non c'est pas dit que dañu wara def rek ñu def dedet mais dañu wara def parce que le résultat après ney xol. Je dirais au passage à mon donc ce comptable si c'est mon compte d'exploitation durant les mois à venir va être négatif à coup sûr. Mais sachez que c'est un investissement pour les 6 premiers mois. Mais les 6 mois à venir, vous allez voir la rentabilité quand même. Je le crois à coup sûr. Donc, nous sommes en définitive. Buntu yo xamne FGV bugu nañ ko def té hôtel bu mag ñong koy cibré place bu mag ñong koy cibré lu reuy bugu nañ ko fa def lu kenn defut boko bugué def il faut nga wajjal sa bop nak bu baaxa baax kon bok nous sommes tous des acteurs on est tous des partenaires parce que walu ñu sé dess ci ginnaw motax kélok buñu togué ak Aziz am nañ benen waxtaan. Nous avons ko ce mu dem ci liguer ci a donc 100% si c'est mis aussi japp na ci té yag na sé japp té dina ci gëna ñëwaat mu fess ci té yaakaal nañ aussi dinañ wala gis encore wa buzz events et ku kay ki mo nek LH dinañ wala am lu xamne dinañ ko liguer ak mom bayyi wuñ ci kenn ñepp ño xamne sen nañ mu nañ sé japp dina leen indi ñu jël ci ñu japp ci. Lolu motax tay ji ñu gissagum ñett donc ci radio mo nek Mbour FM mo nek Joko FM mo nek Bambilor FM mais buñu démé Joko FM doudou japp na ci bu baaxa baax parce que responsable bi xamanté won na ak mom yag nañ xamanté ak mom mo nek Ahmed Ba et Ahmed lorsque buma ñëwé ba dem fa waxo sama ambition waxo ambition lo xamné bugu ne ko de minere il y a quelqu'un qui répond et à ce que vous avez voulu il m'a présenté Doudou Diène buñu démé j'étais accompagné de, avec Ibn Sall on était avec Ibn ñu wax ko lo xamné namu nañ ko def tapage bu muy def mom dina am nu muy gëna indi waté ba muy sensibiliser mo nek ci ben recrutement d'abord bo xamné parce que biir yépp dañu wala tollu ci ben niveau bi ba paré ñun aussi def ñuy may la semaine 3 jours yo xamné dinañ fa def émission de 5 minutes dina am aussi élément mi ño xamné dinañ fi ñew rencontrer leen ak waxtaan bu ñu waxtaan ak yeen mais buguma sé soli parce que dañ né tungul né du tok ñuy natal comme dinañ jox la parole à monsieur Diène ñu lay souhaiter la bienvenue nga jël la parole familial. Peut-être limay ñëk def moy jéggolu ci retard bi ma accusé parce que déjà on s'était dit que ni dina def le tout pour 11h fekk ma fi mais comme ni ko gissé won barki dem nga ñëw fekk ñu nekkon en réunion avec les auditeurs tay tamit dañu programmé ben réunion buñu xawa bet donc à 10h à la radio donc mo taxone touti ma xawa am empêchement ma ngi ci jéggelu déjà ci retard bobu. Donc je pense que ni dama jël le train en marche mais c'est sûr que ni peut-être li ngi waxtane bobak tay c'est dans l'intérêt jappalé ñi nga xamné ñoy ndaw ñi donc je pense que ni lool man dama ci adhérer parce que ñun on est dans un milieu bo xamni on n'est pas comme Boubs wara comme Pape Cheikh wara comme kenen ñun dañu am chance dundu ak ñi nga xamné ñom ñoy suñu auditeur la proximité moy dañu leen di jigé dañu leen di gis tous les jours dañuy dem à leur rencontre ñu ni dañuy ñëw ci ñun sans laisser passer dañu ñëw rek ñu tok waxtaan jamassanté donc am nañu chance am li nga xamné moy proximité ñi ñuy déglu dañ leen di gis tout le temps dañuy safonté ak ñom tout le temps dañuy nem kenn ku ne day némé ko moromam donc je pense que ni lolu c'est un atout parce que ñom ñëp yaang leen di gis dans la vie de tous les jours donc par rapport ak sponsoring mais man à mon actif j'ai 10 sponsors donc jusque là musuma bo am résultat bu kiwul bu négatif ci côté bobu non parce que damay sot sumay dugg ci dara motax duma jël n'importe qui comme sponsor suma woré ni ci li nga nek par exemple je donne un exemple je ne prends pas d'hôtel bo xamantene def hébergement et autres duma ko jël comme sponsor duma jël lu ndrok cigarette parce que ay ndaw ñumay déglu té soumay porter information pour ñom je me fais le plaisir
melni dama koy dundu man day melni sama yeuf la donc sumay jaay damay jaay lo xamni gem na ni peut-être après duma ci am gatché wala duma ci am ben problème parce qu'on est dans un milieu debout un milieu très compliqué amna ci lo len di dougal dañuy bañ duñu nangou donc ta lolou da fay def retour def jeexintal ci man donc man je ne travaille pas pour avoir de l'argent wara yu mel non mais continuer de plus belle lima nekkone depuis 8 ans moy di naxanté ak sama auditeur di len jappalé di len taxaw parce que bo nekké dans le milieu chaque jour nit ñew né dama bëgg liggéey chaque jour amul bis boy yew té nit du ñew né la dimbalima nga bolé ma ak sa sponsor bi ma liggéey donc tu le fais parfois nga bolé parfois etc nga dugg donc da ngeen ñu wo ci lo xamanteni je pense que ni luñu xam la donc ñu dinañ def le tout inshallah jema porter la communication liñ leen mëna assurer moy def de sorte que ni ñi ñew bu ñu xé ba ñew après peut-être li ci dess yeen la ak ñom par rapport ak contenu bi nga xamni mom ngeen leen di wax ak mom leen di jox donc dañ commencer liguey bi parce que déjà esport bi mo ngi daw je pense depuis demb mo ngi daw à la radio légui ni yalla xamna ni légui même pas 20 minutes amna kumay interpellé né dégg na ben esport buy daw joko par rapport ak lool mom el abid a barni manako très bien fofu sax la bëgg dem donc je pense que ni commencé né nit ñi di gëssu parce que nit ñi ñoo bëgg liggéey man je me dis que ni lu melni au-delà de sax ñukay wax ci radio wara yu mel non paye dañu wara dem ci jakkaje di ko wax parce que c'est une bonne nouvelle pour man donc je pense que ni communication communiquer lool warul jafé ñëpp dañuy wax liggéey donc kuy wo nit ñi ci liggéey am ma jox leen liggéey je pense que c'est pas diabolique gisuma ni warna jafé pour def ko donc nak peut-être la continuité suivi bi etc moy manqué ak gawa décourager yakamti bëgg tay nga bëgg am lepp donc je pense que ni lolu moy don point bi nga xamni moy bi gëna essentiel peut-être xamna ni di ngeen indi ay safara par rapport ak lolu donc lolu la bëggoon wax pour ne pas trop monopoliser li nga xamni moy cadeau gi di djéggulouat encore une fois si yéxté gi ak dem bi nga xamné bëgg na ko dem parce que déjà ni ñok may xaar à la radio Ahmed ba mo may wo légui mom la raccrocher légui donc parce que 13h pile dama waron def la lecture des avis et communiqués parce que man non seulement man animateur d'antenne là je suis pas animateur musical seulement donc suma liggéey c'est à 8h à la radio tout ce qui passe à l'antenne ba 18h man la technique les communiqués les avis des décès la musique donc man je fais tout. Donc suma c'est ba ñeu 8h à la radio, je descends à 18h. Muy publicité yépp man ma koy programmer. Donc suma c'est ba dugg 8h, karet sama buntu, tek sama ndox, tek sama café, duma gennat studio. Donc lolu moy indi ñak peut-être di wordo ak say card bo né damay ñeu nga ñeu. Sinon leneen lu ci man tam inshallah dinañu ci participer, dinañu ci japp, ta ay nit dinañu ñeu né len ces radio bi lañ ko déggé. Lolu mom inshallah amuñu ci ben ragal. Donc esport bi sayé monté nañ ko comme ni ma la waxé won sayé ci sama téléphone peut-être téléphone bi amul doolé peut-être pour ñëpp mëna dégg li nga xamné moy le contenu du sport mais mo ngi ci mais c'est pas trop tard bu amé changement suffi ngén né nañ dindi fi def ni etc après ñu changer war ko améliorer ko inshallah pour que liggéey bi gëna dox ma ngi jéggelu ci cadeau yi nga xamné mom la jël monuma wax nak ci mbolo man dama timide man damay teju sama buntu fofu rek kenn nekk fa may déconner mais suma génné j'ai des problèmes pour wax. Donc lolu moy remarque bi ma ñëpp di def dans la vie de tous les jours sans pas parfois damay xol na ma yow est ce que boy wax sé da ngay mandi wara lan manako mandi bi may mandi moy casque bi may def sama nopp dama koy yok bu mu seuss donc tout ce qui est derrière j'oublie parce que je me concentre sur mon objectif donc fi nak comme que amul casque su may wax damay trembler damay lox mais à la radio donc on y va dañuy dem ba jeex inshallah yalla baxna merci beaucoup am nga gis si la jeunesse gis aussi am nga ko pour nga mëna apporter une solution bo xamné chômage bu mag mo ci nek ñewna ak yow waxna la le contenu un peu waxna la un peu nu ñuy liggéey parce que liggéey bi dafa am ay phases d'opportunité qu'on appelle des phases d'avancement ce qu'on phase d'avancement yoy da ngay nek yow ba ëlëk nga nek sa propre chef entreprise si bir et donc sur société bi d'autant plus que FGV en dehors de FGV SMD c'est marketing distribution ambition tay mo nek lan Sénégal wëngël kep ñu am fa un représentant jogé fi en dehors ñu dem aussi ci bir Afrique tay amna ci tay ño xamné ño ngi fi mën nañu yégalé la société et fu nek ñëriñam mo nek lan jappalé les états ci problème emploi sensibiliser les jeunes
ñu conscientiser len ñu wax ne Europe yoro ko mais fi mënga fé am ba téké fi ba yor fi luñ fi am ba ëppalé ko xamné mo nekk Europe ñu gëm né Yalla bu nekk États-Unis Yalla bu nekk en France ak Yalla bu nekk fi ci ben Yalla bi la Yalla bu la jox daf lay jox nak def na ci yow sa pass pass ak sa gëm gëm mo sa et su ko lol nonu on a porté notre choix en vous c'est parce que dafa am luñ gis ci yeen am luñ yek ci yeen Ahmed suma démé bam na amna ko xamné mën na booster té wolu nañ ko ci yag nako def parce que il l'a fait avec les artistes beaucoup d'artistes jall nañ fofu non def nako avec structure yu nek edicom ainsi de suite kon bok tay ji buñu waxé lool non ñu tok ak mom mu am mat bo xamné won ñi yépp laquñu gis nañ ni mën na nek té ñong la ci xaar export bi nak déglo guñu ko mais xamna dina fa jaar après pour ñu gën ko mëna suivre encore en même temps merci monsieur Dabo donc yeen ñepp ma ngi leen di nuyu sen tour ak sen sante et di rafetlu cette invitation que FGV m'a apporté à ma personne li nga xamné mom la ci bëgg wax rek moy que vraiment je salue la pertinence de l'exposé de monsieur Ndiaye qui constitue vraiment une personne ressource dans le secteur de la distribution et je pense que ñun ñëpp déglu nañ ko même nous qui ne sommes pas de la distribution nous avons beaucoup appris n'est-ce pas par rapport à ça et ñu lay encourager davantage parce que dans un secteur on y reste parce qu'on l'aime quand on l'aime pas avec toutes les réalités du terrain parce que qui dit terrain dit forcément réalité parfois mu neex parfois mu naqadi comme niko dabo waxe man je m'appelle Papa Amadou Cissé donc man je suis comptable de profession donc man comptabilité la jang mais depuis un certain nombre d'années et je sais que plus de 25 ans je suis dans le développement des PME anam lepp lo xamné souba ngone jot la le fa wara meuna match ci lu jëmele entreprise yu ndaw yi kanam ma ngi ci dox donc ci sens bobu la xamné comme nim ko waxé j'ai eu la chance de former aussi parce que je déroule des formations en entrepreneuriat en comptabilité et pas mal d'autres activités d'autres domaines de la gestion ci lolu la xamanté ak ñom ñu am confiance si man denk ma seen ay mbir ma ci jema dox le maximum possible c'est la raison pour laquelle item qui dit coaching parce que bon ñu démé mo xamné il y a plus on est au-delà de la dimension tenue de comptabilité on tout le temps pour ngén ko déggé on parle de coach de scène marketing et qui dit coach bon c'est beaucoup plus large n'est-ce pas parce que boy coacher nit ki ça veut dire que c'est un accompagnement rapproché ça veut dire que dang koy djégué diko tété di susciter en lui des réactions pour que mom mu mëna doxalina mu éviter ci le maximum possible de risque alors donc effectivement man amna may gis ni tay ji prétexte bi monsieur Ndiaye a fait vraiment un focus a fait une présentation sur la phase 2 qui est le leader et peut-être que ni man xeyna dina xawa transversal touti ci man li nga xamné mom la bëgg apporter tout en s'appuyant bien sûr ci li nga xamné mom la def mom la wax mais bla may dugg ci li nga xamné as tout si nga xamné japp naka bëkk waxtaan ak yeen mais damay wax ni rek ni buñu xolé tay ji amna ben nas bo xamné mu ngi fi moy nasu organiser l'anniversaire de FGV li nga xamné nak mom lañ ci japp moy que slogan bi lolou am solo la parce que mo len wara meuna tax matin midi soir que vous devez batailler c'est vous qui avez dit qui avez choisi comme slogan faire mieux et plus. Yéna ko wax dé. Et quand vous dites faire mieux et plus, ça veut dire qu'il y a un référentiel. Amna ñu def, ngeen bëgg def lu ëpp lu ñu def, n'est-ce pas? Ak mu gëna bax. Alors donc c'est un défi. Et qui dit bo lancer won ak ay défi, dafa am ay préalables yo xamné mom nga wara mbubbo. Parce que del ben concept tek te préalable item mbubo woko mais peut-être que ni c'est l'échec à terme c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous me gissez un peu sur le plan
organisationnel mu am ben comité d'organisation lu may rafetlu la n'est-ce pas mais pourvu que dans la structuration du comité d'organisation que chacun tire vers le haut manam ku nek kenn ku nek daf ko wara comme li disait si bir spirit monsieur Ndiaye la définition des objectifs parce que quand les objectifs sont clairs mais peut-être que ni Diego yi pour atteindre ko dana yomb mais si les objectifs aussi sont ne sont pas réalisables ou ne sont pas clairs n'est-ce pas xena atteinte bi dana xawa jafé maintenant c'est la raison pour laquelle man damay inviter tout un chacun n'est-ce pas ci tâche bi nga xamné mom lañ la jox nga mat nga tok sa place comme niñ koy waxé nga tok sa place bamu mat seuk donc c'est la raison pour laquelle maintenant quand on parle de budget il nous a fait un budget prévisionnel il nous a parlé de budget mais un budget ne peut qu'être que prévisionnel manam dafa am yene wu ni dana ci def 100,000 mais meun na am mu upp 100,000 n'est-ce pas donc suñu xolé et que le budget est assez consistant cela veut dire que quand vous voulez faire plus et mieux mais forcément ça a un coût mais pourvu ce qui est important il m'a alerté en me faisant comprendre que monsieur Cissé ça mes comptes d'exploitation donne un négatif mais pourvu que mu am retour sur investissement parce que limi def ni c'est un investissement alors et ku nek dañuy wax ni ken djuddoul rek ken amul dom mu nek li rek djog dox il faut nga investir ci mom diko topoto diko nampal di bu febaré nga fajj ba bu muy commencer di djog di daanu etc donc ça veut dire que et vraiment je vous souhaite plein succès dans cet anniversaire qui vraiment au 3e mois de l'année 2016 ñu lay ñu koy préparer mais itam may attirer sen attention ci benn mbir la date est fixée axina ça veut dire que quand on voit on essaie de faire une projection en regardant très loin di xawani no di def ce qu'on appelle l'atermoiement luñu wara mëna def tay nga ko def ko suba n'est-ce pas lolu itam da fay tax ni affaire bi du buñu démé ba dernière minute ku nekk di daw à gauche à droite donc il faut que li nga xamné ku nekk tâche bi nga xamné mom lañ la jox nga def ko donc c'est la clé du succès moi j'ai l'habitude de m'appuyer sur ce que disait un professeur le professeur Ibamar Diop qui disait que le succès n'est pas un accident parce qu'un accident il arrive au moment où on s'y attend le moins n'est-ce pas donc cela veut dire que qu'est-ce que le succès est le fruit d'un travail considérable de persévérance et de sacrifice ça veut dire que lolu ñeffel il faut que ñu nangu di ñeffé n'est-ce pas, de sacrifier. Parce que quand tout de suite, on s'appuie sur le développement de M. Ndiaye, qui s'est fixé un objectif et qui fait son speech jusqu'à 2h du matin, cela veut dire quoi? Il y a le sacrifice qui est là. Parce qu'il pouvait demander, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé ceci, j'ai laissé ceci. Non, t'as atteint ma cloche, puis je m'en vais, etc. Donc cela veut dire que vous voyez, ça c'est une bataille. Et au bout de l'effort, il y a le tout succès. Aucun effort ne peut être vain. C'est-à-dire que nit ki ni ñuy wax le principe du ñak jëriñu nit ki bu sonné ci dara dana ci gis dara donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ngeen gëna japp moi je vais m'appuyer nak daw touti ci tout ce qui est par exemple aujourd'hui si monsieur Ndiaye a fait son focus sur la phase 2 c'est-à-dire en termes de leader mais le leader il aspire à devenir un gérant et à atteindre son autonomie pour être un chef d'entreprise c'est la raison pour laquelle un chef d'entreprise aussi dafa am yo xamné des caractéristiques yu mu wara mbubo n'est-ce pas et caractéristiques yi mën nañ ko segmenter si ñet mu nek ben groupe bo xamné ñu am un groupe d'accomplissement et buñuy wax groupe d'accomplissement ci caractéristique entrepreneurial ñongi waxtané ci recherche opportunité parce que lolu ngeen di xey soba ngon jot et quand on parle de recherche d'opportunité tout ce qui est problème vous devez le transformer en solution c'est à dire que la fofu affaire bi fofu la nek du ngeen gis mu ay jafé jafé sen kanam lolu lu taxaw sen kanam vous devez réfléchir en termes de solution. Donc, dans l'accomplissement aussi, il y a un élément qui est important. Est-ce que vous mettez dañu wara bayyi? Moy kon bu monsieur Ndiaye bu fekkone que vous mettez dafa wara bayyi, cela veut dire quoi? Kon bu mu atteindrul à 18h, il plie son sac et il s'en va. Mais il a été persistant. D'où l'importance d'être très persistant sur le terrain parce que terrain bi dafa am ay réalité et que ces réalités ne sont pas toujours faciles. Donc, lool mom lolou itam moy que un des traits caractéristiques du groupe d'accomplissement
c'est d'avoir de la persistance. Vous mettez vous mettez autre chose, moi le respect de l'engagement. Ça dit que nit ki euleuk même def len di top ba sen bir lorsque vous serez autonome. Quand vous êtes un entrepreneur qui n'a pas le sens du respect des engagements, bonjour les dégâts. C'est un impact négatif du bouche à oreille. Ça veut dire que lan la de que ah dawa de lum la wax du ko def xam nga lolu te man mi koy wax keneen ngi koy for ko xamne ñewul contact direct mais day dégg ñu wax dawa rek mu ni ah non dawa lum wax du ko def. Donc ça d'où l'importance en tant que futur entrepreneur, en tant que futur chef d'entreprise. Parce que man lola gem ni yeen vous avez quitté une phase pour yeen ngi ci benen phase et aujourd'hui il y a un plan de développement qui va vous attirer vers les autres phases et guen melna Mouri Keba guen comme melna Serigne Diaye guen comme même que Aliou Dab. Lolu moy objectif bi parce que bu fekke ken dañu dem en mi chemin ñu wacc ñu ki moy ce qu'on appelle ce que vous appelez votre terme on est devenu négatif et daw nañu. Or dès lors que bi ngeen ci duggu da ngeen xol nat poser le pour et le contre n'est-ce pas ñu ñew ñu enseigner len n'est-ce pas lolu moy wara meuna tax que ngeen mbubo yenn mbiri pour pouvoir atteindre les objectifs. Serigne Diaye parlait dans son speech que effectivement il peut former, il a raconté une anecdote bo xamné qui va dans le sens de dire que ah man j'ai formé un chef d'entreprise en 6 mois et que le non man jang na pendant des. Effectivement c'est possible parce qu'il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur ce qu'on appelle l'apprentissage par l'action. Il actionne, c'est-à-dire que vous faites le terrain, chaque fois lum len di wax la preuve c'est que vous le pratiquez. Et quand on fait de la pratique, on apprend beaucoup plus vite parce que si on s'appuie sur ce triptyque dang may wax ma faté nga jangal ma fatlikou nga djeflo ma jang ça veut dire que def dañ len di djeflo ñakuñu fi rek suba ba ngondjor comme ce qui se passe au niveau par exemple de l'université ou dans les écoles de formation ngeen ñoo on vous parle de marketing, le marketing définition c'est ceci c'est cela etc. Yen quel que soit le speech du matin au terme du speech vous prenez vos sacs et vous faites le terrain d'où l'importance de yen lum len wax. On n'est pas mu par la production du jour. Li Seigne Diaye di wax dafa am solo trop. On n'est pas si on met un focus sur ñaata nga indi tay, ñaata nga jaay tay, on passe complètement à côté. Ça veut dire que quoi? Le lendemain, parce que dès lors que le lendemain amna un meeting, le soir on capte les éléments les réactions du terrain. Ça veut dire que tout distributeur dana ñew, il aura vécu une journée pleine d'enseignement. Amna luko neex amna luko nakadi le leader capte toutes ces informations pour prévoir préparer son speech du lendemain mais so ñewé a ñaata nga jaay nga 10000 jaay nga 15000 jaay on aura passé complètement à côté. Un leader man lén rek la si jël il a décliné comme leader beaucoup de éléments mais un leader est un guide, c'est quelqu'un bo xamni psychologiquement il doit être très fort mëna capter décrypter et pour pouvoir vraiment apporter un plus par rapport à ses équipes. Donc lolu dafa nek lo xamne lu am solo mais aussi un autre poste, un autre élément, un autre point du groupe d'accomplissement c'est le goût du risque. Il faut avoir un mais le risque aussi doit être un risque mesuré, pas un risque béat parce que dañuy wax ni beut du yanu mais xamna lu bop atam n'est-ce pas lolu mu am lo xam lu am lu am solo. Donc cela veut dire quoi? Si buñu jëlé ci benen format groupe bi itam on peut parler du groupe de planification parce que aduna itam lepp lo xamné dang koy def ta mëno fixer ay objectif manam mais nak bala ngay fixer objectif amna ben élément bu am solo c'est la recherche des informations. Xibaar yoy ngay am mom moy tax nga mëna fixer ay ces objectifs mais mënuma ne teub rek ni man je fixe des objectifs sans pour autant m'appuyer sur des informations précises. Donc lolu itam da ngeen koy mbubo ci euleuk pour que par exemple pour que sen liguey gëna mëna jëm karam aller sur le terrain et l'information on la collecte sur le terrain pas dans mon bureau avec un brasseur d'air ou avec un climatiseur non man et j'imagine ni la wara démé non la collecte d'information c'est le terrain. Il faut aller sur le terrain et seule la vérité des données se trouvent sur le terrain et yoy ngay soukandiku pour pouvoir faire une planification
une planification. Une planification aussi, dafay bax nga do ko bind rek ta do ko nat. Il faut vraiment faire un suivi de là de ce que vous avez planifié. Il peut y avoir des écarts en plus ou en moins. Et ceci au terme du plus ou du moins, nga analyser. Et en analysant, quand on analyse, forcément, au terme de l'analyse, il y a une prise de décision qui s'inquiète. Si on a fait un bir, si on a fait un peu de temps, da mëna ni li moy safara ci li ci bon nga ni li ci bon li nga ni li moy ci safara ci li ci bax nga ni ah ça c'est à encourager, je continue sur la lancée. Donc et ça c'est important ci benen groupe bo xamné c'est ce qu'on appelle le groupe de réalisation. Ça dit que képp ko xé dans le groupe de réalisation mëna ci retenir ñaari mbir, c'est avoir lolé ci ndjay wax nako man je le décline dans de manière beaucoup plus transversale. C'est quoi? C'est la confiance en soi. Parce que sur le terrain, quand vous faites votre speech et vous ne pouvez pas vraiment, vous êtes hésitant, vous ne pouvez pas argumenter, mais sur le wool, enfin, et on sent en vous un manque d'assurance. Non, vous passez à côté. D'où, nit ki lepp lu muy def so bo ngon jot day metti mais daf ci wara olu bopam ni man c'est quoi, je veux réussir. Ce dont je suis sûr, je suis un humain, j'ai des ménages, je peux réfléchir, je veux développer des stratégies pour atteindre mes objectifs. Donc, et ça, c'est important. N'est-ce pas? Un autre élément item que je voudrais partager avec vous, c'est quoi? C'est avoir le sens de la persuasion. Une capacité de différencier beaucoup de distributeurs sur le terrain. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité de pouvoir persuader leur interlocuteur par rapport à telle ou telle chose. Mais aussi, le développement du réseau de contact. Ça dit que on se réalise parce que, xam nga aduna, du xaliss moy fajj safara yi, non moy fajj lepp. Parce que yow mën nga am un bon réseau de contact qui fait que, par exemple, man tay ji, ah, amna ben affaire bo xamne dama ko dafa nek sam bir keur jaaxal ma, ma wo dabo. Ni ko mais seigne dabo man de li mu jox ma xel. Voyez, j'ai activé mon réseau relationnel, mon réseau de contact pour solutionner un problème. Donc et ça c'est de la richesse. Ça dit que quand on est trop restrictif à développer un réseau relationnel, quand on a des déficits d'avoir cette capacité de pouvoir persuader, quand on a un déficit d'avoir cette confiance en soi, bonjour les dégâts. C'est la raison pour laquelle je vous invite à activer tous ces leviers-là, gëm sen bop, xamné le succès n'est pas un accident, c'est le fruit de beaucoup de travail, de persévérance et de sacrifice, mais aussi, comme disait Serigne Ndiaye, on ne l'obtient pas sans être poussé par l'amour de ce que l'on fait ou de ce que l'on cherche à faire. Donc cela veut dire que dès lors que c'est vous qui avez choisi ce monde-là, vous êtes des amoureux de la distribution. Donc, il y a forcément des difficultés, mais vous devez les braver pour aller vers le haut. Et c'est en ce sens que sur ces quelques mots que je voudrais apporter mon speech en demandant, en manifestant toute ma disponibilité pour apporter du peu que j'ai à l'organisation de l'anniversaire de FGV. Mon gérant Dabo, sachez que je suis à ta disposition pour t'apporter du peu que j'ai et merci de votre aimable attention. Tay ji mom xamna mom suñu rencontre tay mom dafa ala dawme tay mais li yep nak ligey be ko waral ñu xamne joguñu pour nak ñu tiaxan ligey nañ nek tay wax na ci sank ni ligey bala nga kay def dang kay bëgg. Lan motax nga kay bëgg? Parce que dang ko bëgg jëriñu muy dugg toujours lan moy aimer toba bi néna aimer c'est avoir besoin. Donc nous aimons ce que nous faisons parce que njëriñ yi mom mo ci xawa reuy té njëriñ bobu non lu ngay def bëggo ko rek sa xol du ci and xol fan lay and lo xamné sa xol daf ci am bëgg. Moy tax toujours di goor du bëgg jigen, goor du bëgg benn mbir wala jigen du bëgg benn mbir parce que lu ngui koy apporter mo tax mu koy bëgg. Et comme dans l'enseignement en philosophie et on nous a enseigné que
l'amour, c'est une tendance attractive à la jouissance ou à la possession de quelque chose. Nous ne laissons cet attrait ne vivant dans la mesure où il y a une distance qui sépare l'amant de ce qui est aimé. Ce qui revient à dire que donc aimer, c'est avoir besoin. Nous sommes solos.